Hello, aujourd'hui je vous ai préparé un petit hit, on va faire 2 tours, 5 exercices. Comme d'habitude, je vous montre les exercices en échauffement. Le premier exercice, c'est le burpees décomposé. Alors, on va se mettre au début du tapis et on va venir mettre les mains au sol. Ensuite, je vais aller mettre le pied droit loin derrière. Je souffle, je rentre le ventre, pied gauche, puis je ramène droit, gauche et je fais un petit saut. Si le petit saut c'est trop difficile, c'est optionnel. Mais essayez de vous pousser, on n'a que 2 tours à faire. D'accord ? Bien sûr, on le fera plus rapidement. On le refait encore. Donc, hop, cette fois-ci, je vais faire gauche, droite, reviens. Avec la vitesse, ça ferait 1, 2, 3, 4, saute. Ok ? Minimum cette vitesse-là. Le deuxième exercice, c'est le gainage. On va se remettre au sol. Ok ? On va le faire sur les avant-bras. Hop, les bras loin devant, on l'a déjà fait ensemble. Je souffle pour avancer le corps et je dépose les avant-bras au sol. Je maintiens le ventre bien gardé, je ne relâche pas. Si vraiment ça ne va pas, vous repoussez les fesses en arrière pour inspirer, pour bien resserrer le ventre et redescendre. Ok, donc ça c'est le gainage, notre deuxième exercice. Notre troisième exercice, c'est connu aussi, c'est le jumping jack. Je me remets debout, donc c'est le principe, hein. On va chaque fois monter en cardio puis redescendre un petit peu. Le jumping, vous le connaissez, celui-là, ok? Évidemment, là c'est l'échauffement, on y va un petit peu plus mollo, mais on l'accélérera, ça va? Et le dernier, là encore l'exercice suivant, c'est les pompages. Là aussi, ne partez pas en courant, on va d'abord faire avec les genoux au sol. Ok, idem, j'avance le buste et puis je descends. Si vous descendez que de ça, c'est pas grave, ce qu'il ne faut pas, c'est avancer le bassin ou creuser et perdre le placement de votre dos. On essaie de rester bien droite et on voit jusqu'où on sait aller avec les bras, puis on remonte, ok? Je souffle surtout au retour. Je peux inspirer là, souffle au retour. Ou alors on essaye de souffler aller-retour. Et le dernier exercice, c'est le pont des épaules. Donc je vais passer sur le dos. Hop. J'allonge bien mon dos et puis je souffle, je monte et je descends. Souffle et monte, descends. Voilà, là on va contracter les fesses quand on est en haut. On redescend en essayant de s'allonger au maximum. Donc le ventre rentre, j'inspire en bas, je souffle et je monte, j'inspire en bas. Ok ? Chaque fois je vais essayer de bien enfoncer les épaules dans le sol pour réouvrir mon ouverture d'épaule. Ok, c'est terminé, on prend notre bouteille d'eau, on prépare notre timer et c'est parti. On branche le timer. Hop. On va démarrer. Hop, dans 5 secondes. Le premier, c'était burpees décomposé. Pied à droite, pause. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4. Allez, plus que 10 secondes. 5 secondes. On va jusqu'au bout. Hop, premier exercice. Suivant, c'était gainage. On va se mettre au sol. Voilà, on peut attendre pause de l'enfant. J'avance, je pose les avant-bras, je me repousse, ventre bien rentré, on allonge le dos au maximum. Chaque fois qu'on souffle, on tire le nombril vers l'intérieur, sur un dos bien étiré. Plus que 15 secondes. Allez, vous faites avec moi, vous lâchez pas, 10 secondes. 5. 4. On se remet debout pour le jumping jack. On n'a que 2 tours à faire. Prête, prêt. Placement du bassin, autograndissement, c'est parti. Allez, on essaie d'accélérer un petit peu. On vérifie le bassin. Le ventre, pas lâché. 10 secondes. Allez, on y met la gomme. C'est les dernières secondes.
suivant, c'est les pompages. Je reviens au sol. Secondes, on reprend. Vous vous souvenez, pas besoin de descendre super bas. Le placement du bassin est là et on y va. Ici, c'est des petites pompettes, pas de souci. On lâche pas le ventre, on lâche pas le dos, c'est ça la priorité. Les bras, c'est au fur et à mesure. Allez, 10 secondes. On n'a pas toujours l'habitude de faire les bras. Hein. Allez, on travaille tout le corps. Hop. Et puis je vais me mettre au sol pour le demi-pont des épaules. J'ai quelques secondes pour m'installer. J'étire bien mon dos. C'est parti. Hop. Bien mobiliser la colonne. Alors oui, ça renforce toute l'arrière. L'arrière du corps, la chaîne postérieure, les fessiers, l'arrière de cuisse, le dos, etc. Maintenant, on en profite quand même pour bien mobiliser le dos, pas penser que aux muscles. Et pense aussi à la posture, votre position, même au quotidien où on ouvre bien les épaules. Premier tour terminé. Je reviens debout. Mon premier exercice était burpees décomposés. On reprend dans 5 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4. Allez, le ventre. Le dos droit. Le ventre. Le dos droit. Allez, 10 secondes. On récupère un petit peu dans cette position là qui fait toujours du bien pour le dos. Voilà, coccyx tirante, les fesses, on se laisse pas descendre, on repousse bien, on garde le vent de rentrée. On reprend la respiration un peu plus petit dans les côtes, on lâche pas le ventre. Allez, on lâche pas tout court. Reste plus que 10 secondes. Allez, on serre au niveau du ventre. On fait remonter le bas du ventre. 5 secondes. Hop. Jumping. Respirez bien et soufflez bien. Pareil, c'est tout le temps avec des toutes petites respirations. Donc, je passe, vous entendez avec le micro, je fais. Allez, on accélère. Il faut bien oxygéner le corps. Hop, pompage. C'est important de vraiment avoir une musculature équilibrée. Donc, je sais qu'en général, les filles n'adorent pas faire des pompes. Mais c'est important de renforcer le dos, mais la chaîne antérieure aussi. Donc, les épaules, les pectoraux. Allez, plus de 10 secondes. Si ça ne va plus, vous diminuez l'amplitude. 5 secondes. Ok. Et puis le dernier, il est plus cool. C'est pont des épaules. On allonge bien le dos. Le ventre rentre. Mobilise, ouvre. Voilà. Donc quand on redescend, on essaie de garder les épaules bien ouvertes.
si jamais vous aviez mal au dos en montant, ne montez pas trop haut. Ok, et vérifiez bien que vous allez allonger le bas du dos. Et voilà. Voilà, notre entraînement est déjà terminé. Vous avez vu qu'on a su caser ça assez rapidement. A priori, vous êtes quand même un petit peu essoufflé. C'est ça qui est super. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.